Bonjour messieurs, monsieur Seguier, bienvenue dans la édition de la journal et de la mi-journée. Comme je l'ai dit dans la sommaire, une multiplication d'étapes s'est fait remarquer ces jours dans beaucoup d'indensité jusqu'à l'intérieur de la pays. Une situation qui met à déroute dans un bon moral et une bonne manière tout en violant une éthique et frise les probités. La reportage de la correspondante de votre chaîne depuis la Congo-Brazzaville. Merci ma jeune frère pour une opportunité offerte. En tout cas, c'est l'inhumanité. En quelle personne ne peut croire les délivrances qui se passent dans plusieurs églises de la quartier, de la avenue, dans les cités et à l'intérieur de la pays? Les pasteurs et les pasteresses qui cherchent chaque jour à dégringoler les paisibles chrétiens pour une délivrance démoniaque touchent les morales des gens et un parti génétique. Un risque qui pourra conduire aux destructions méchantes de la sexe d'autrui en passant à chasser la démon sirène. La gouvernement est appelé urgentement en toute sa urgence pour une intervention faire la limite de la dégâts pour éviter la pire.